projet en vie autonomie est simple. Il s'agit de collecter le matériel médical qui est le plus utilisé chez les particuliers et dans les établissements. Après un tri, d'en rénover entièrement une partie, de les aseptiser, de les proposer à petit prix pour les personnes qui ont des difficultés à s'équiper. En vie autonomie, il y a trois grandes phases, la collecte, la production et la vente. Sur la partie collecte, d'abord, il y a une zone de stockage. Quand les camions arrivent, on décharge le matériel, il y a du tri. Ensuite, le matériel, il est amené en production. Il passe par l'atelier avec des étapes de démontage, nettoyage, aseptisation. Et ensuite, le matériel, il est stocké et mis dans le hall d'exposition. Le matériel ensuite est proposé à la vente à environ 30% du prix du neuf. Les objectifs du projet, agir contre le gaspillage du matériel médical, permettre à des personnes qui n'arrivent pas à s'équiper d'avoir une offre complémentaire de matériel médical, et en plus créer une activité économique sur le territoire et créer des emplois spécifiquement pour des personnes qui sont en rupture avec le monde du travail.